Allez, bonjour à tous, c'est Matt du 29 et on se retrouve sur American Truck. Du coup, on va parcourir. Donc ça marche bien avec la dernière version. Bah, là, j'ai mis la dernière mise à jour. Donc ça marche, j'ai toujours le DLC, l'en-haut, là, le Vancouver, tout ça. Donc nous, on va partir de Burlington jusqu'à Steamboat Spring. On a pour 7 heures, donc c'est parti, on y va, on va pas tarder. Ça sert à rien de tarder trop. Si c'est pour perdre du temps, ça sert à rien. C'est par où la sortie là-dedans? Par ici? Ah, ce serait par là, ouais. On va juste faire gaffe parce que... Alors on a une remorque de cadeau, cherchez pas, c'est l'événement qu'il y a en ce moment. Ça dure au moins jusqu'à la... Jusqu'à... Janvier, fin janvier, je crois, mi-janvier. Faudrait pas que le train passe. J'ai bien dit, tiens, le train passe juste pile poil quand je passe. Virage à droite imminent. Hop. Tournez à droite. Bon, lui. Je vais attendre quand même que les... Au moins qu'il me laisse passer, lui. Merci de me laisser passer. Hop. Bah, ça fait plaisir de repartir sur une nouvelle année. On verra ce que comment ça va se passer. Sachant que moi l'année prochaine, ben du moins en septembre de cette année. Jusqu'à au moins septembre de l'année prochaine, bah, au moins pendant un an, je serai en formation. Donc, une semaine, comme j'avais dit une fois, c'est une semaine en formation en centre. Donc, pendant une semaine, donc sur une semaine, il n'y aura pas de vidéo, et deux semaines en entreprise. Mais comme l'entreprise sera à côté de chez moi. Pendant les semaines où je serai en entreprise, ben je ferai les vidéos. Donc il y aura deux semaines où j'enregistrerai et une semaine où j'enregistrerai pas. Puisque le centre de formation sera à quelques heures de chez moi. Donc, puis je vais pas me trimballer avec mon PC pour faire des vidéos. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. C'est là qu'il faut que je tourne. Tournez à gauche. Ils attendent quoi devant là pour avancer là? Là, c'est trop tard, les gars. Ah non, ceux-là, ils vont tout droit. C'est là qu'il faut aller. Ah, c'est ça. Eux, ils étaient pour aller tout droit. Donc là, bien sûr, maintenant, il faut attendre que ce soit les autres qui fassent. Orange, donc ça t'anime bientôt.
Hop, voilà. Allez tout droit. Ok. Et donc on part voie express, voie rapide ou la grande voie ou pas? J'ai l'impression que oui. Tournez à droite. C'est bien. Par contre, j'ai pas regardé comment j'étais au niveau dodo moi. Non, c'est pas ça. C'est 5. 5, c'est ça. Non, c'est 6. Ouais, bah il faut que je dorme bientôt. J'aurais dû regarder ça avant de partir. Ben, faut que je me mette un point de dodo, mais non, ça va pas le faire. Oh putain, il est loin en plus. Il y en a un là. Ben, voilà quoi. Hein? Quand on réfléchit pas à dormir avant de faire l'épisode, voilà ce qui se passe. Non, mais j'aurais pu dormir là, à la ville. Hein. Ouais. Chez à Burlington, mais. Bah tant pis. C'est peut-être pas si loin que ça, hein. On va peut-être pouvoir au moins aller jusqu'à là-bas. Comme ça, je ferai l'essence en même temps. Même si j'ai encore assez d'essence pour finir le trajet. Mais. Hein. On va pas non plus. On va faire gaffe quand même. Tant que mon chauffeur ne baille pas, ça veut dire que c'est bon. C'est pas là qu'on peut sortir pour aller faire un somme. C'est vachement loin, je crois, non? Hop. C'est peut-être la prochaine sortie d'ailleurs. Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce que c'est là qu'on sort? Oui. Donc c'est là qu'on va. Ouais, bon, bah tant mieux. Non, c'est même pas là en plus. C'est après. Par contre, je pense que c'est la prochaine. Nous permettra de nous reposer et en même temps de faire l'essence aussi. C'est quand même pratique le trackier. C'est, je trouve que c'est plus facile à configurer un trackier qu'un Tobias quand même. Tenez la gauche. Hey. Allez, une petite pesée, ça fait toujours plaisir. MPH, 5 miles par heure sur la balance.
Hop. Stop here. Ah, mais pas besoin. Eh, vous n'aurez pas pu me dire. Le voyant, il est vert sur le sur l'appareil. En gros, j'avais pas besoin de m'arrêter. En fait, quand ça fait deux fois bip et que ça reste vert, c'est que c'est bon. Quand le voyant est rouge, ça veut dire qu'il faut passer sur la balance. Quand le voyant est vert, c'est qu'il n'y a pas besoin. Allez, et ben on sort là, du coup. Voilà. On va pouvoir aller faire notre pesée, notre coupure, et puis. Alors, s'il y a besoin de réparer, on peut réparer le camion parce que je crois qu'il y a une. Allez tout droit. En fait, tenez non. La gauche, puis tournez à gauche. Déjà, il faut que je me. Tournez à gauche. On va faire le nécessaire. Non, virage là, c'est les à voitures. Gauche, imminent. Là, c'est encore les voitures. Et là, tournez c'est les à gauche. Donc on va se faire là-dessous. On fait le plein. Et en même temps... Aïe. Mais écoutez, on va faire dedans. Tournez à droite. Je sais pas si ça a marché là par contre. Si, ça marche. Allez hop. Comme ça on est paré. Le fait de rouler ça va recharger les bonbonnes. Comme ça il arrêtera de biper dans tous les sens. C'est bon, il est assez chargé. On est comment? Ah, y a pas le F7. Parce que le camion doit être bah, si pourtant. Ah, y a plus. Non, pas plus. Ah, après, je peux aller de mon plein gré. Hop. Voilà. Réparation. Il n'y a pas beaucoup à faire, mais bon, c'est pas grave. Allez, hop. Est-ce qu'on peut faire demi-tour par là? Ouais, y a personne. Tenez la droite, puis tournez à droite. Par contre, c'est 25. Tournez à droite.
Oui, y a personne. Hein. Hop, Tenez la 35. droite. Et on repart cette fois-ci comme il faut. Avec le plein et surtout la coupure. De fait. Allez go, c'est parti. Soixante-cinq, et on y va. Cinquante-cinq, du coup. Ok. Allez, on repart. Donc là, on a pour quelques heures, hein, quand même. Il nous reste combien de temps là? 5 heures. Ouf. Ouais, ça va faire ouais. Encore un peu plus que l'épisode, quoi. À moins qu'on arrive à aller assez vite. Après, je pourrais mettre des raccourcis, genre les raccourcis du GPS et du temps de coupure directement sur ma souris. C'est des touches, hein. C'est F5, F6 et F7, mais le F7, j'ai l'impression qu'il marche plus maintenant. Je verrai ça pour la prochaine fois. Je vais le faire après l'épisode, comme ça au moins je serai tranquille. Et comme ça, je me mettrai du coup sur ma souris des options pour avoir le F5 pour faire le GPS du jeu, mais pas celui du camion, mais l'autre. Ainsi que la coupure et combien de temps de mission il reste. Ça, et puis le F3 pour. Soit l'afficher, soit l'afficher en sans transparence ou avec transparence. Comme ça, au moins, on sera bien. Non, c'est pas ça que je voulais. Tenez la gauche. Normalement, je vais faire un zoom un peu plus. Un plus gros zoom sur le GPS aussi. Je sais pas si ça vaudrait pas le coup aussi de découvrir toutes les routes, c'est-à-dire de parcourir, mais les routes qu'on n'a pas encore eues. Mais le seul problème, c'est le solo, c'est bien. Hein. Cinquante-cinq. Tenez la gauche. Oui, parce que l'autre fil d'à côté, la droite, c'est pour sortir. Et il commence à faire jour en plus. Bah après, ce serait bien que les routes Tenez se la découvrent gauche. en même temps qu'on roule dessus, découvrir les autres en dessous, ou les. Ça serait bien. Ça ferait moins de choses à découvrir, quoi. Bon après les routes c'est pas. Franchement les découvrir à 100% je vois pas l'intérêt non plus. Ou alors parcourir les routes en essayant de prendre des routes qu'on n'a pas prises. Qu'on n'a jamais prises pour les découvrir et pour être à 100%. Pourquoi pas?
Hop. Apparemment, on dit de partir là. Ah. Merde, c'est pas ça que je voulais. Il reste combien? 4h20. Voilà. C'est pour ça que je dis, il faut absolument que j'ai cette ces paramètres sur ma souris, comme ça au moins ça m'évitera les. Parce qu'avec ma souris j'arrive à atteindre tous les boutons. Alors que là, aller atteindre le clavier c'est la merde. Alors que ma souris est à côté de moi, quoi. Drive safely, conduire prudemment. En traduction française. Ah, on peut monter à 65, tiens. Faudrait que je vois pour refaire mon. Pour refaire le. Le merde, comment ça s'appelle? Le tableau de bord, mais en montable. Ben, à monter soi-même, mais. Avec des vis pour que ça tienne bien et puis que ça fasse un super beau truc propre, quoi. Pire, je Tenez trouve la droite, puis prenez la sortie à droite. un skin à mettre dessus, genre un truc un peu. Prenez la sortie à droite. Et fait tableau de bord, quoi. Virage à droite imminent. Tournez à droite. La vieille route, là. Bah, la route nationale ou départementale chez nous, quoi, surtout parce que nationale, normalement, chez nous, c'est les voies express. Mais quoique la route sont plus larges que chez nous. Il n'y a pas de fil. C'est pas trop une départementale, je pense que c'est quand même une. Bah non, parce qu'il y a deux voies dans un côté et puis une voie dans l'autre. On va peut-être éteindre les feux aussi. Voilà. Hop. Ah, 45. Hop. Hop. Allez. OK. On découvre cette route-là. Après, pour savoir combien de temps il nous reste, 3h01. Donc ça va le faire. Allez, on va se mettre à 45. Comme ça, on tombera pas en dessous et puis on n'ira pas au-dessus. Tenez la gauche. Ah bon? Oui, parce que. Ok. Sinon, c'est pour aller à droite. Et puis là, ça se met en une voie, tiens, maintenant.
Mais c'est les autres qui ont deux voies. Hop. On va avancer, c'est bien. Bon, bah c'est bon. Du coup, demain, ce sera tank mécanique. Alors, je sais pas si c'est une mise à jour ou pas. Je crois pas. Il y avait que pour... Pour TrainStation hier et puis American Truck, j'ai dû le faire aujourd'hui parce que sinon je pouvais pas jouer. Et tant qu'on peut mettre les modes que j'ai, c'est-à-dire pour avoir le Canada en plus, bah l'Alaska plutôt quoi, Vancouver et tout ça. Ça sentait pas bon. Et le pire, ah si, faut rester à pied. Ben ouais, on va aller au plus vite. Service remorquage. Fort Collins, allez, vas-y. Putain de merde, ça coûtera cher. Je me demande si c'est pas parce que... Oh putain, sérieux. Sa mère. La remorque, elle est où? Ça a été suspendu, non? Ouais. Parce que t'as réinitialisé. Bah écoutez, ça tombe très bien. Voilà. C'est bien. Formidable. Putain, super. Sérieux. Ah bah là, pour le coup... Non, bah non. Pas refaire deux fois la même. Et du coup, j'ai plus de maison. Voilà. J'ai plus de mission. Ouais, bah je vais pas prendre une... On partira de Fort Collins jusqu'à son machin, et puis c'est tout. Mais du coup, Fort Collins, je l'avais découverte ou pas? Non. Et bon, on va aller se mettre au centre-ville. Je sais pas où on peut aller. On va aller au garage tant qu'à y être. Comme ça va nous faire. Hein? Voilà. Super. Tournez à droite. Tournez à gauche. Merde. En fait, quand on a des missions externes comme ça, c'est pour ça en fait qu'on peut pas, que je pouvais pas activer le répare, parce que maintenant, tu vois, je peux. Ah non, c'est que juste qu'ils ont mis. Bon bah j'ai perdu une raison de ne pas faire. Bon, quand le feu sera passé au vert, on ira. Bon, bah, du coup, cet épisode c'était un full fail. Voilà. En fait, quand on fait une assistance Allez, avec une tout droit. remorque comme ça, et ben la remorque, au revoir. Voilà. Donc, il faut éviter quoi.
Et je crois que c'est cette année qu'on aura le. Bah, y a un nouveau Bus Simulator, le 21, qui doit sortir aussi bientôt. Farming, on verra ça l'année prochaine. Bah, plutôt en septembre ou en octobre, je pense. Allez tout droit. Bon, bah, je vais pas m'exciter plus longtemps, hein. Ça sert à rien. Donc, ben, ravi d'avoir fait la mission fantôme, comment on va l'appeler. Donc, on se retrouve du coup demain sur du tank mécanique. Le temps de voir qu'est-ce qu'on aura à faire, mais je sais plus où on était arrivé. Je crois qu'on était sur soit un de nos tanks, soit un tank de quelqu'un. Donc, on verra ça demain. Allez tout droit. Puis voilà, qu'on se dit à demain, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Et on se dit à demain. Allez, ciao ciao et à demain.